On est parti. 30% du tempo et on passe en double croche sur le compte. Hein. Ici, on atteint la limite. Hein. On est à 90, je dis 90 parce qu'il y a une majorité de Français qui nous suivent. 90% en imprègne-toi bien du nouveau tempo et on va partir ensemble après le compte. Hein. Parce qu'on l'a expérimenté tout à l'heure et ça sert à rien d'aller à 100% quoi, hein, tu vois. Alors là, maintenant que tu as compris le truc, on va retourner à 100% et on va retourner sur des croches, mais attention, on fait des pentatoniques chromatiques. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une position qui exploite le doigt 1-3, on rajoute le doigt 2 entre les coups. Ok, chaque fois, donc il y a... Attention ici sur la même corde. Un petit chiffre. Donc on est sur des croches. Cocher, 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 cocher. 1, 2, 3, 4... Sur la même corde, t'as oublié le shift, hein. 3, 4. Ici. Ici. Ici, tu fais une erreur sur la corde sol. Donc sur la corde sol, il y a 1, 2, 3, puis un chiffre de 2, 4, et 1, 2, 3. Il y a 6 notes. Donc, 1. C'est corrigé. J'ai oublié mon chromatisme. Ouais, c'est ça. 2, 3, 4. Parti en double croche. Attention. Et 1, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Deux, trois.
L'absence de référence de tempo, c'est chaud, hein. Mm-hmm. Tu dois continuer à penser dans ta tête, quoi. Hein. Voilà. Hein. Bon, et